Dis à quelqu'un, tu es béni. Je vous annonce que vous êtes à la brigade anti-sorcier. Nous nous combattons la sorcellerie à visage découvert. Ça dit, on ne cache pas pour nous. On dit, on est là, nous sommes là pour vous. Voilà. On ne cache pas. Ce n'est pas caché. Voilà. Moi, ce n'est pas parce que j'ai quelqu'un peut-être qui est moche ou bien bizarre, mais j'ai un don. Tu me regardes, tu ne me regardes pas, bien, tu me regardes les yeux de chat, tu ne veux pas qu'il t'interprète. Et tu me dis, non, tu es venu, tu as diabète. Il faut arrêter ça. Les gens, tu blagues là, c'est pas moi, on n'est pas pareil. Voilà. Je chante dans l'allée. Moi, j'aime sauver les gens. Mais si tu veux un tel, je peux te sauver. Mais tes yeux de sorcellerie, tu as pu me regarder là. J'ai crevé ça tout de suite. Hein? Pardon. Donc, il faut bien me regarder. Regarde-moi les yeux naturels. Pas avec les yeux de chat. Tu n'es pas chat. Pardon. J'ai dit, faut bien me regarder. Faut me regarder les yeux de chat. Tu es venu ici, c'est pour tuer. Faut pas me regarder les yeux de chat. Ta sorcellerie là. Ton cœur est sorcier là. Faut pas, ça va te tromper. Parce que moi, oui, moi-même, j'ai encore une longue vie pour vous attaquer. Amen. 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 Quel amen? Amen, brève, amen, amen pour tous les gens. Quel amen, ça dit? Pour toi, là, c'est quel amen? C'est quel amen? Tu me regardes. Je suis maréchal, donc souvent, j'agis comme un maréchal. Quel amen? Non, dis-nous pour nous, vrai, toi, tu dis amen. Faut pas arrêter. Faut dire pour nous la vraie, faut arrêter ton amen bizarre. Tu viens dans l'église, elle a les yeux des chats. Il y a église et puis église. Hein? T'as compris? Bon, mamie, il y a église et puis église. T'as compris? Si tu viens ici, là, ce que tu fais ailleurs, là, faut pas besoin ici. T'as compris? Hein? Et tu fais manger herbe ici. Hein? Tu me pardonnes? Mais l'autre maladie qui est en toi, là, tu n'as pas encore déclaré ça. Tu veux me attaquer les yeux des chats. Stop! C'est diabète. Ah, ça, c'est diabète que tu connais. Mais l'autre maladie qui mange l'homme, là, c'est elle, là. Hein? Tu dis quoi? J'ai qu'à gérer ça. Tu as deux maladies. Ou bien la sorcellerie, c'est une maladie. Je ne me mets pas comme ça pour parler, je ne suis pas bête. Hein. C'est ce que tu as fait là qui fait que je t'ai interpellé. Pourquoi toi seul dans la rangée ici, là, c'est toi qui viens parler. Moi je vous regarde, mais il y a encore d'autres dieux spirituels. C'est ce don là Dieu m'a donné. Ben, vous là. Si Dieu ne m'a pas donné ce don là, longtemps il était mort. Et puis je suis prêt pour ça. J'ai fait ça avec beaucoup de passion. Cette année, on a commencé à boire fleur. On a poursuivi son nom. La semaine prochaine, on a gagné, on a sur le coup. On arrive son nom. Invitez-nous, on est prêts. Les vrais sorciers se disent dans les villages. Celui qui dit non, un pasteur, je me demande aujourd'hui pourquoi les gens ne vont pas dans les villages. Parce que le fétiche qu'on a vu dans le village constitue à détruire la famille. Vous êtes souvent là en ville, oh, il y a des fétiches contre vous. Il faut aller à la base, à la source, pour la destruction de ces fétiches. C'est ça qui nous donne ça. On ne se limite pas à la ville, on ne se limite pas. À Abidjan, on ne se limite pas peut-être à Paris. Si un fétiche a été fait dans le village, nous on a dit aux gens qu'on venait détruire leur fétiche, qu'on venait détruire leur sorcellerie, on l'a fait. Qu'on a fini, on a gagné le terrain, qu'on est parti. Et ils vont tomber, on leur a même dit vous allez tomber un à un. On attend le témoignage d'ici quelques jours et puis on va aller filmer encore. Amen. Amen. Tant qu'il aura la sorcellerie, l'Afrique sera en retard. La cause du retard de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et quand tu vois une vie en retard, c'est que cette vie est minée par la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. Tu es âgé, mais on te voit comme un enfant. Tu es diplômé, tu ne travailles pas. Toujours le retard partout. Là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. C'est ça que les blancs ont maté la sorcellerie. Donc ce débat-là, c'est clos avec eux. Ils ne peuvent pas venir discuter le problème de sorcellerie. Les blancs, vous pensez que non, ils ne croyaient pas, ils croyaient. Les premiers à croire la sorcellerie sont les occidentaux. Qui ont mené un combat farouche contre la sorcellerie. La preuve, ils ont tué. Nous, nous délivrons les gens, ils tuent. Et ils les brûlent. Leur histoire, là, ils ne peuvent pas discuter ça aujourd'hui. On prend les sorcières, on les brûle au bûcher. Du pied jusqu'à la tête, on te brûle. Je devais cendre. On calcinait, on te calcinait.
Nous, moi, non, les civilisés, on respecte les droits de l'homme parce qu'on les délivre. On leur annonce cette maladie parce que la société est une maladie. Donc, on te débarrasse de la maladie. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit du diable. C'est ça. C'est les deux esprits qui règnent dans ce monde. Quand tu te convertis, maman, je t'avertirai. Oh, ce que tu fais là, il faut arrêter. Ça fait trois fois. Ça fait trois fois. Maman, ça fait trois fois. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Ça fait trois fois. Tu vas saigner. Elle a fait des incantations. Tu vas saigner. Donc, tu es venu là, c'est à cause de moi. Tu connais pas? De te montrer. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Tu as compris? Tu as compris? La vie, on dit qu'elle veut voir si je suis vraiment maréchal. Hein? Pardon, tu as testé, non? Il faut continuer. Tu me demandes pardon. Hein? Tu me demandes pardon. Tu dis mon territoire et tu me testes. Elle dit, mais lui, là, depuis qu'elle est devenue maréchale, c'est lui qui lui a donné cette grade. Bon. Mon cœur de maréchal est chanté de prendre. Mais ben, si ça vient, viens te faire saigner du nez, tu chutes. Amen. C'est la sorcellerie qui met l'Afrique en état. Nous autres, on ne cache pas les mots. Moi, je ne cache pas les mots. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Ben, la vieille est en train de me piquer un peu là. Je fais des piques. Là, ils aiment bien tester. Ils te flashent. Ils te flashent un coup. Et puis ils regardent ce que ça va te donner. Oh, il y a des boucliers partout, tout le monde. Amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu a des boucliers autour de lui. Amen. Voilà. L'ange éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Amen. Il y a un bouclier autour d'un véritable enfant de Dieu. La sorcellerie ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu. C'est pour ça que moi je les nagre. Ils sont rien. La Bible n'a pas dit de les cajoler. La Bible dit de marcher sur eux. Il faut les mater. C'est une rébellion. Leur papa, Satan, il s'est rébellé contre Dieu. Et de rébellion, la mat. On ne discute pas la rébellion. Le jour où discuter la rébellion, les rebelles, c'est ça. Quelqu'un appelle rébelle, vous voulez discuter. Un rébellion, on ne discute plus. On dit qu'il s'est rébellé dans le ciel, Satan, avec un pied d'ange. Il est descendu sur la terre. Il s'est incarné en une personne qui sont aujourd'hui qu'on appelle sorcier. Il y a quoi à discuter avec eux? Il ne doit pas négocier un territoire avec nous. La sorcellerie ne doit pas négocier un territoire. C'est ça qu'il faut aller vers eux. Leur dire, les territoires, les villages qu'ils occupent là, ça appartient à Dieu. Ils dégagent. Parce qu'on a besoin d'entrer dans nos villages. Nos enfants sont bien devenus au village. On ne doit pas se limiter à Paris. On ne doit pas se limiter à Londres ou aux États-Unis. L'Afrique a des valeurs. Il y a vraiment des grands sites. Il y a tellement de grandes choses que nos enfants doivent découvrir. Et à cause de la sorcellerie, les gens peur. Tant qu'ils ne nous iront pas vers eux. Parce que quand ils sont quelque part, il faut y aller. Et leur ordonner de partir. Amen. Il faut leur donner de partir. C'est ça que nous autres, nous allons. Jésus dit, allez. Jésus n'a pas dit de s'asseoir. On ne s'assoit pas. C'est ça que moi, j'ai arrêté un peu de deux jours là, trop le Facebook live là. J'ai arrêté ça un peu. Ça rend paresseux. On est sur Facebook live. C'est vrai qu'ici, on fait direct, mais c'est à l'église. Mais dans le salon, moi, il fait ça dans le salon, je parle, il dit non. Moi, mais les chiens ont des villages, aller dans le village. Je préfère aller dans le village parler qu'elle dans sur Facebook parler. Non, non, non. La Bible est partie. Il y a des stratégies. Il y a souvent des choses que peut-être qu'on oublie en se mettant, faisant toujours Facebook live, Facebook live. C'est vrai que les gens suivent. Mais non. Il faut partir. Il faut aller dans les villages. Il y a tellement de villages à gagner. Trop de villages. Quand on arrive, on a l'Esprit de Dieu, mais on a un don. On voit Paris, on fuit. On prend l'avion, ça va. Non. Je découvre un village. À Boisflay. Sorcellerie partout. On a maté la rébellion, ils nous sont montrés. Et c'est comme ça. Si chaque homme de Dieu pouvait occuper un territoire de la Côte d'Ivoire et faire une campagne d'évangélisation et de destruction des œuvres de la sorcellerie, la Côte d'Ivoire sera libérée. Parce que le problème de la vie est d'abord spirituel. C'est un problème spirituel. Un problème spirituel. Pendant que tu entends les parler, on t'a dit à taper au village. On t'a attaché comme un cabri. On va te manger. Et une bonne sortie critique.
Un bon riz local. Mais c'est pas galé. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que nous avons commencé d'abord une tournée ivoirienne. La semaine prochaine sera à Soroko. Et après ça, nous serons à Zego, dans un village ici vers Iré. Et nous allons progresser vers Bangourou. Nous attendons toujours que les gens nous invitent dans les villages. Si vous savez, vous savez qu'il y a un fétiche dans vos villages, chacun a son onction. Voilà. Chacun, homme de Dieu, a son onction. Amen. Il y a des gens qui parlent, nous on agit. Nous sommes des hommes d'action. Nous sommes sur le terrain. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es béni. Vous mangez l'homme, vous tous. Vous mangez l'homme. Vous réveillez pas chaud bien. Vous mangez l'homme. Viens les sorciers. Bon, regardez un peu. La petite église là, regarde ce qui se passe. Maintenant ceux qui ne sont pas attrapés. Mamie, tu es sorcière. Elle parle pas français. Hey. Elle parle quelle est-il? Hein? Elle parle quoi? Lève-toi. Elle est sorcière. Moi, je ne peux pas vous comprendre. Si je ne comprends pas mes langues, je suis perdu. Si je suis perdu. Et Gabou, vous dites, je ne vois pas là ma bouche, je ne vois pas sa tête. On est pas, on est pas là, pas où il est. Elle mange l'homme. Oh. Mais c'est elle qui répond, tu réponds à sa place pourquoi? Qui peut parler à sa place? Tu peux parler. Hein? Qui est un expert en titan? Non, 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 non. Toi tu vas répondre toujours. Ah. Pourquoi vous partez à l'hôpital? Ces bactéries, le virus qui vous tue là. C'est ce qui va intéresser le médecin. Ou bien? Une fois c'est tué, c'est fini. Tu es guéri. Nous tuons bactéries là, c'est ce qu'on appelle sorcellerie. Vos problèmes l'intéressent, ce sont ceux-là qui sont derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais enseigner ici les pièges mystiques. Comment échapper aux pièges mystiques? Je vais vous enseigner ça tout à l'heure. Personne n'est accident biologique. Tout le monde a une destinée. On l'a destinée, c'est-à-dire destination. Tu pars de quelque part et tu vas quelque part. Or, ceux-là, ils ont toujours barré le chemin, t'empêcher d'atteindre ta destinée. Tu as une belle femme, tu ne peux pas te marier à cause d'eux. Tu ne peux pas voyager à cause d'eux. De comme on te donne une maladie. Et puis on met ça sur le compte de maladie. Et puis on dit, mais tu accuses quelqu'un. Ah non, ils ont cette capacité. C'est ça qu'on les appelle lanceurs de sorts. Et ils lancent le sort. Voici la définition de la sorcellerie. C'est ça qu'elle n'est pas positive. La sorcellerie est négative. C'est quel mot qui existe dans toutes les langues? Et puis vous ne voulez pas croire ça. En bété, en djoula, en chinois, dans toutes les langues de la planète Terre, ça existe et c'est la même signification. Et puis vous ne croyez pas ça. Or, qui dit sorcier, ça veut dire mangeur d'âme. Le sujet est tellement sérieux que les gens n'en parlent pas et nous sommes attristés. Ça nous attriste que les gens ne parlent pas de ça. Parce que cacher le sujet de la sorcellerie, mais c'est favoriser les crimes spirituels. Vous favorisez le crime. Il faut les dénoncer. La Bible n'a jamais dit, la Bible n'a jamais dit les éternels. La Bible dit dénoncer les œuvres du diable. Il faut dénoncer les œuvres. Si ça doit diviser, tant pis. Mais on dit il mange. Il mange. Tu es sorcière. Elle est sorcière. Bon, bien sûr. Tiens, ou bien on t'accuse. On a un cagou ou bien y a un moment, y a un cagou. On dit un cagou. Elle dit que quoi, elle est enfant? Comment? On a un seul. Quand on va coucher, quand on va coucher. Elle dit c'est pas ça.
Non, non, non. Comment ils l'ont donné? Comment ils l'ont donné? Elles ils ont préparé pour lui donner. Donc lorsqu'elle a mangé, quand elle est rentrée à la maison, elle a vu que déjà elle était ici. Elle était ici. Maintenant, elle a fait quoi? Maintenant, est-ce qu'elle veut sortir de la sorcellerie? Elle bouge les sorciers. Elle était petite et puis on l'a laissé qu'elle veut pas ça. Non, elle veut. Et tu as fait quoi? Ils aiment Nola. Tu as mis beaucoup, ils aiment Nola. Il a tué qui? Il a tué. Vous voyez, mais combien de personnes? Il y a nos Zola. Wazuma, Elle a tué plus de 100 personnes, c'est ça? Non, pose-moi les chez moi, il parle. Elle a tué plus de 100 personnes. Maman, on a un dragon au Kodi, Kuba, Bouli. Plus que ça. Elle a tué. Mais quand tu es, c'est pour mourir. C'est que Adam, quand les tue, c'est pour vivre, c'est pour mourir. Il faut lui dire qu'un sorcier tue, il sait. Très bien, stop. Moi, je vous connais très bien. Si tu as tué André, c'est ce que c'est André, ça fait 1. Si tu as tué Nguessan, ça fait 2. C'est pour ça que vous avez la mémoire. Or, si tu ne dis pas, ce n'est pas une délivrance que tu veux. Il peut faire semblant de vouloir se faire délivrer. Et puis arriver sur le terrain, et puis tu peux refuser l'action. Parce que peut-être, sous prétexte que peut-être ta honte ou ta peur de dire. Oh, on ne peut pas avancer si c'est comme ça. Oh, qui va là-bas là? Oh. Donc, elle vient se souvenir de 5 personnes. Ok, donc on va t'aider. Les 5 dont tu te souviens là, dis. Attends, stop. Vessa, c'était qui? Ils ont dans la. C'est qui? Vessa, alors qu'on est là. Oh quoi? À beaucoup. Mais, allez. C'est le même Dida? Vessa est pour lui. C'est marqué. Non, non, non. Vessa, là, c'était qui? Vessa. Il était où? Il faisait quoi? Yokudala. Yokudala. Yokudala.
Dans quel village? Il est en Dougoula. Il est en Dougoula. La gazelle. La gota. La gazelle. Maintenant, comment t'as tué Vincent? Que la sorcellerie ne réfléchit pas à la paix. Donc tu l'as tué comment? Un gourdin, il dormait. Ah, tu l'as suivi? Oh, il allait au champ. Donc tu t'as sorcellerie là, tu fais dans la journée et la nuit. Non, il faut dire sa sorcellerie, elle fait dans la journée et puis dans la nuit. On a un peu de bébé, mais pas mon guégezé. C'est ça? Non, c'est pour mes bâtiments, Attends, pas me distraire. Il dormait ou il était réveillé, en éveil? On va mandar les mamans ou bien on met la croix. Attends, on choisit quoi? Il marchait ou il dormait? On va mandar. Oui, on a l'aide. On va mandar. Donc on retient dormait, c'est ça? Puis tu l'as sommé. Comment tu aurais le tuer? On a essayé de nous les mamans là. Non, mais puis, donc, puis ils n'ont pas vu, il est rentré, il dormait dans sa maison, c'est ça? Comment il est rentré dans la maison, allez l'achever? Comment tu fais? Non, la vieille, il faut lui dire, c'est pas des sorcières, il ne faut pas avoir ri. Le sujet est trop sérieux pour rire. Non. Non, c'est un sujet. On a la cigarette. Avec quoi? Ok, donne-lui une chaise. La plastique là. On va m'en aller, c'est un nom là. Tu dormais comment? Maintenant, comment toi tu es rentré dans sa maison? Explique-nous comment tu es entré dans sa maison, aller la chevelle le boudin. Elle est rentrée. Donc elle a un pouvoir. Non, sorcier n'a pas besoin de clé. Il ne faut pas te distraire. Un sorcier cherche clé pour ouvrir porte. Comment tu es rentré pour aller le tuer? Pourquoi ne pas le temps parce que vous êtes beaucoup. Tu t'es transformé en oiseau, tu es rentré. Ah donc toi, comment tu fais pour te transformer en oiseau? Pourquoi tu fais tout ça? Tu fais comment? Comment tu fais? Tu dis quoi? Tu prononces quoi? Toi, tu es l'homme, tu deviens oiseau. Comment tu fais? Tu dis quoi? Non. Elle dit quoi? Est-ce que c'est des incantations? Elle prononce des paroles pour dire je vais devenir un oiseau, je vais devenir un oiseau. Je veux savoir quoi? Quelle est la méthode qu'elle utilise pour se métamorphoser? Non.
Mais Devro, il ne parle pas. Mais Devro, il n'y a pas de qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle prononce pas les paroles pour se changer? Voilà. T'as pas terminé de parler? C'est ce que je veux qu'elle fasse ressortir. Voilà, il me dit, c'est trop facile, il dit, il dit, oiseau, non, mais ça va comment vous manifestez vos pouvoirs. Tout ça, on a besoin de ça. Comme information. Il y a 50 ans, 50 ans, Kéki. Est-ce que un papa, Babina, n'est-ce que Kéki, Zoyou, le monsieur, mais un casse même pas la gale, un caca, il y en a un bas, un Kéki, il était de 7 ans. C'est pas ce que tu as dit? C'est non, là. Ah, c'est ce que je veux savoir. La manière que tu fais, la procède, là, ça nous intéresse. Amen. Et comment s'appelle le monsieur qu'elle a tué là? Vincent. C'est ça? Et tu as pris le gourdin. Hein? Tu as dit d'abord Vincent. Mais il n'y a pas de ça. Et soit là même là. Vincent, on n'a pas encore touché Keïta. Merci Vincent. Vincent. Pas de pressé. Faut laisser Keïta d'abord. Vincent, tu l'as mis dans sa maison, tu l'as tué. Oh non, t'as les pays, t'as les prix. Vincent, il veut que tu m'as pas là. Tu n'as pas fini. C'est moi qui te pose des questions. Hein? Donc, si je pose la question, tu réponds à mes questions. Oh, vous n'aimez pas mes questions. Les sorciers n'aiment pas mes questions. Oh, mes questions, ça les délivre. Parce qu'il faut nous dire comment fonctionne ta sorcellerie. C'est trop facile de dire de tuer quelqu'un. Comment? Donc tu l'as trouvé là et tu l'as soumé avec le gourdin. On peut aller en bas. Et ça t'a rien dit quand tu le tuais? Il n'a rien ressenti. Et tu l'as mangé? Sorcier, j'ai pas de viande. Elle a mangé quel morceau? Il faut dire qu'elle aime beaucoup tout ce qui est dans le ventre. On a Elle, c'est ce qu'elle aime. Ah, elle dit c'est pour elle. Ah, c'est comme ça que tu vois ça. L'homme là, c'est pour toi. Faut lui demander. C'est pour ça que tu manges. Ah, non, faut lui dire. L'être humain là, l'appartient pas, ça appartient à Dieu. Elle dit quoi? Elle dit ce village là. Pourtant, tu as mangé, tu es rassasié. Eh, le démon n'est pas bon, mais tu as mangé et tu es rassasié. Ah, elle dit, elle est bien rassasiée. Demande-lui, c'est doux si la chair humaine. Elle dit, c'est doux. Elle est morte, vivrait vers la t'as pleuré. Tu as dit quoi? Quand t'as annoncé, oui, mais c'est mort. Hein? Comment? Elle a donné un exemple, c'est qu'elle a fait. Oui, ça a batté.
Oui. Ça, oui, c'est là. Oui, ça va battre. Oui, c'est ça, capable. C'est moi, il est oui, 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 oui. Elle dit non, elle dit, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit non, Vincent, tu m'as tué, tu es mort là. Tu m'as tout dit, tu m'as tué. Oh, vous les sorciers. Elle a mangé Vincent, c'est dans son ventre. Et quand elle disait ça, comme, qu'est-ce qu'elle ressentait? Et puis, oui, c'est Vincent. Yes, on a Dieu va vous couler. Mais Dieu, il est amour, hein. Non, elle pleure, elle sait que c'est hypocrisie. Et puis, oui, dans ça, Vincent. Ça, ça, il tu sais. Et puis, tu pleures. Et puis, là, oui. Bon, Keita. Et c'est un grand nom pour moi. Tu es là. Elle n'a pas tué dans la sonnerie, elle n'a pas tué dans les médicaments. Mais c'est le même poids. Gourdel. La même méthode. Elle est dans sa maison, elle a assommé, c'est ça? Demande-lui. On a ambition, on peut aller dans ce monde, Keita. On peut aller dans ce monde. C'est dans sa maison. Donc toi, tu peux rentrer dans une maison comme ça? Mon passe au semé, mais pas n'y a non. Une maison, oui. Elle la tête. La maison, je vois la maison. Tu as tout gâté. Comment? Vous avez non, c'est le prototype du sorcier. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Elle dit, elle reconnaît qu'elle a tout gâté. Or, en réalité, quand un sorcier dans, dans la famille, il gâte tout. Elle dit le sorcier ne connaît pas, il n'a pas de sentiments, il gâte. Donc papa, elle dit elle a tout détruit, maintenant elle est là malheureuse. Elle regrette, elle est malheureuse. Maintenant elle va dire, elle a tué Keita, elle a tué qui encore? On a dit cette personne dont tu souhaites se souvenir. Est-ce qu'elle dit qu'elle a tué beaucoup de personnes? La femme est en train de préparer Plakali. Elle a pris le gourdin, elle a sombré la dame. Et la dame a vomi, vomi, et puis elle est morte. La demain, la femme est morte. Tu regrettes? On a écalé Moïse. Écalé Moïse. Oui, oui. Mais écalé Moïse, non? Écalé. Nous savions. Il n'y a pas pasteur chez toi là-bas pour prier pour toi? On a la gognon, on a double pont. La gognon. Pasteur, on a double pont. Ma femme est douloureuse. Pasteur, n'y a pas. Toi, tu connais pas l'église? Moi, j'aime la voix parouse. Moi, la voix parouse. Il y a un parouse, mais. Yes, yes. Il y a un parouse. Ils sont toi. La vieille dit,
Église où on s'en va là. Chacun quand chacun regarde, chacun a mangé la vie. Donc personne ne peut demander à son ami, c'est sorcier, tout le monde se regarde. Chacun sait que l'autre est sorcier. Donc c'est une association de sorciers. Donc c'est ça ta l'aise. C'est pour ça nous ici là. Quand tu es sorcier, tu es là. Nous c'est comme ça. Il y a un vieux sorcier qui l'aime bien ça, ben, chez nous là, le sorcier à part et le vrai peut la soit ailleurs. Et le sorcier, quand tu es près de lui, il te regarde devant poulet rôti. De toute façon, poulet rôti sans la joue, il y a ça. C'est pour ça qu'il te regarde pour te manger. Et donc, toi, tu tues. Tu es rapide. Bon, lève-toi. Le prophète dit qu'il faut faire une petite expérience. Le gourdin, il faut l'assommer. On a du bon. Viens. On a. Papa, non, il y a un balai, il y a un oui. Nous sommes sur le camp, comme on crie. Dis-moi. On est bon, mais il y a les noix. Elle dit quoi, c'est pas là. Il y a comme elle, baba, non, bon. Elle dit quoi? Elle dit, c'est quand tu es tout, puis elle dit, t'as bon. Bon, le soir, il faut lui dire la nuit, viens me trouver. On a. Je n'ai pas de délivrer la nuit, là. Viens me trouver. On a. Bébé, il se bat sur moi. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il faut lui dire, le prophète dit, il veut faire une expérience. Quand tu tues, là, papa, la nuit, là, il ne va pas te délivrer, hein, mais la nuit, là, il faut sortir de ton corps pour venir l'attaquer. Papa, non. Comme mon bagne à nuit, on a ça, mon quoi. Bébé, il se bat sur moi. Ton bois, tu prends pour Dieu, vous savez. Encore, on a ça. Non, je vais essayer. Je veux qu'elle essaye, moi. On a nommé ce Okamo Kriye. Une dernière fois, il faut essayer, moi. C'est moi. On a Basso. Bagnan. Ouais, essaye. Bamo. Maman, il t'attend chez moi. C'est qu'il t'a montré. C'est ça l'appelle violation à domicile. Donc j'ai une légitime défense. Tu as violé mon domicile, j'ai une légitime défense. C'est qu'il t'a montré. Hein? Non, elle n'a qu'à essayer son pouvoir. Je veux que nous deux, là, on essaye. On a essayé nos pieds. Mais où est le bois? Le gourdin, il est où? On a la soumou. Le gourdin, il est où? Non, non, papa, non. Soumou, bien qu'on est bagne à nous. Yopola. Là, soumou. Mais mon mère, maman, goutou, mon loup, ma gala, dit, non, il y a assez. Il y a bouillie, non, mère. Bon, toi, tu viens et puis tu laisses boire du tuyau. Il y a bon, tu peux soumou, il y a soumou. Il y a soumou. Il y a soumou. Il y a soumou. Oui, mais pourquoi nous on jette? Elle n'aime pas ça. Mais il faut venir en jeter. C'est comme ça. Toi, tu es bandit, tu laisses pistolet. Puis tu viens policier. On t'a caché le pistolet là. Quand tu es bandit, tu envoies le pistolet là, à la police. Là, on prend le pistolet. C'est le pistolet qui fait que tu es criminel. Toi, tu as mal le pied, puis tu fais sorcellerie. Elle dit quoi? Faut pas sourire moi, hein. T'as déjà tué Keïta. Hey, t'as tué Keïta. On n'a pas Keïta. On m'a pas Keïta. Keïta. Mariam. Maman, on n'a pas Keïta. Donc, on m'a pas Keïta. On m'a pas Keïta. On m'a pas Keïta. T'es sorcier, pourquoi tu ne guéris pas tes pieds? Comment tu t'envoles, trop là? Il faut lui dire comment il s'envole trop là. Tu tapes tes pieds. On a. Il faut dire comment il s'envole trop. Elle dit quoi? Ah, elle dit on coupe bien sur ses pieds. Et toi, tu as fait couper. Attends, monte-moi des pieds. Allez, monte. C'est toi qui as voulu. Monte-moi, on va couper. T'as qu'à la boîte. On coupe bien. Ici. Monte ici. C'est ici qu'on coupe bien, là. Hein?
Elle dit quoi? Lève-toi. Monte, arrive ici. On prend pied. Viens ici. On a perdu. Comment on fait? On coupe comment? Demande-lui. On a yes, what did they bogey? Comment? Yes, what did they bogey? Ça va. C'est la viande. On va de nyanine. Et puis on coupe. Et toi-même là, tu ressens quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Mais c'est ce que tu veux. Mais wana. Mais mon wana. Mais comment tu peux faire quand on peut couper viande avec tes plantes tes pieds pour couper tes viandes? Ah, stop! Comment toi tu peux être là et puis toi tu donnes ton pied pour couper viande? On a dit ce bon moment, il faut que les gens ne soient pas les gens qui sont là. Ah, mais Et puis elle ressent quel pouvoir? Ne va pas venir nous n'aboguer ni nous raconter les choses mon hier là. Il a entendu mon hier là. Mais il dit qu'à tête il ne ressent pas de calme. Elle mange. Elle a la force. Donc quand on lui donne le chien, elle mange. Va casser nous n'aboguer pour te voir ni mon dernier là. C'est la cuisinière. On a mon pina. Il y a qui mange là-bas? Ah, qu'avec qui mange? Hein? Qui m'a dit? Là-bas, là, il y a quoi? Il y a sel. Il y a piment. Il y a aubergine. Il y a tikiti. Pourquoi tu vas manger ici et puis la nuit encore où tout le monde dort tu vas aller manger? Comment tu peux couper, donner ton pied et pouvoir couper viande? Stop. Va aller donner tête là. On a une bonne là, bonne voilà là. Tête. C'est beaucoup à quand on a le malade gelé là. À part tuer l'homme là, elle a gâté qui? La vie de qui? On a. Mais elle a qu'à dire le nom de cette personne. Voilà. Il y a des gens beaucoup, non? Elle a gâté beaucoup. Elle dit quoi? Non, il est là. Elle dit que son enfant qu'elle a fait, sa fille qu'elle a fait là, elle a dit qu'il faut plus qu'elle va se marier.
Elle a gâté son corps. Comment elle a fait? Yes, elle nous là. Comment elle a gâté son corps? Yes, elle nous là. Même pas, on est ici, c'est qui nous. Non, on appelle ça Gungini. Elle a pris caca. Où est la fille? Il y a Okola. Okotane. Okotane. Où est-elle? Ils sont allés à la molle. Joséphine. Joséphine est là. Adi. Caca même, son vrai verre, c'est pas bon. Maintenant son tombeau vert là. Que toi dis shit. Non, pas plus. Caca même son vrai verre là, c'est pas bon. Maintenant c'est son Gungini là. Tu prends. C'est celle-là. On a mon même. Vous la regardez. Regarde là. Comment tu as fait? Laisse un moment là. Et ça nous relève, pas moi, ce qui nous lie, là, et ça nous relève. Ça. Mais vous pouvez même dire qu'on est bien apparemment de vous. Là, ils sont dans le monde de la paix. Elle a qu'à expliquer. Je n'ai pas de façon de parler là. Il faut qu'elle explique. Ça met dans cette nous relève, pas moi, ce qui nous lie, c'est qui nous poste. Caca, même, c'est pas bon avant. Maintenant, c'est pour mon goût là. Goût nini. Et quand on lit ça, les saucisses sont bêtes. Elle a chié son Gungini et puis elle a fait quoi? On a au moment de bien se dire, il ne connaît pas, mais moi, Korea, ou bien les sorts, la salsa, ou bien la salsa, on dit ça, mais lève-toi, on a beaucoup. Montre comment tu as fait. On a nettoyé. Oui, maintenant, on va voir comment tu fais. Vous savez, tu fais ça comment d'abord? Tu chies d'abord ou bien? Voilà. Maintenant. Donc tu fais comme ça et puis tu. Ta peinture. Là quand tu passes partout, tu sens. On appelle ça Gungini. Le rejet. C'est ta femme aussi. On a allé. Tu couches avec elle. On a mon pouce que ça. Hein? Pour parler ta bouche. On a pas. Tu fais comment? Et ça, non, pour ce qui est ça, elle fait comment? Elle a gâté sa vie. Non, parlez de coucher là. On a lancé, non, pour ce qui est ça, pas la main. C'est aucun mot. Viens quoi, elle t'embrasse. C'est aucun garçon ne peut te dire bonjour. Non, pour ce qui est ça, n'a pas la main, c'est aucun mot. Guilinaway! Aucun mot, c'est le. La gâte, Guilinaway, yeah! Kilina welio, ngamo wasile, ngamo kilina weli, kilina welio, yeah, ngamo wasile. Yeah.
l'impression que ceux qui doivent nous protéger sont la base de notre malheur. Nos parents qui doivent nous protéger, en qui nous avons toute la foi. Et c'est nos parents qui sont la base de nos malheurs. Et demain, vous dites non, mais tu n'es pas marié. Donc tu couches avec elle, demande. Tu couches avec elle. Interprète. Tu n'as pas fini. Comment est-ce que comment où est Brasa? On a rien bien cola. Il y a des ailes, mais cola. Il y a des ailes, cola. Tu couches à elle ou tu couches pas avec elle? Namopo ou bien namopo. Qui doit dire oh? C'est elle qui doit dire oh. C'est toi qui dis oh. Je te demande, tu fais comment? On a oyira mumi. Na nyebeze sere ya kula. Comment tu fais ça sort? Comment tu as sort? Yes, elle nous l'a fait toi là. Non. Ouais, stop. Elle dit quoi? Elle dit, je ne veux pas que ça fasse. Ah, tu ne veux pas que tu aies ce mari? Et ne wana onini with you. Vous répétez encore. Et ne wana onini with you. Répète encore. Et ne wana onini. Non, dis pourquoi? On a yebola, yebola, ne wana onini with you là. Non, non, non. Pourquoi? Elle voulait pas que sa fille marie l'étranger parce que l'étranger a été fui. Donc quand elle tombe enceinte, toi t'enlèves. Ok, go kaba, mon sang t'a gouré. Mais tu couches avec elle. Mais na mo pona. Yopo. Ok, go kaba ni yopo. Quel problème elle couche. Eh stop. Yebi. Elle sorcier à pitié. Ah ouais, vous qui vous parlez, vous y occupez la vie là. Tu fais quoi? Hein? Faut pas changer de position. J'aime pas ça. On a commencé, on va aller jusqu'au bout. C'est qui tu es. Tout ce que tu as fait là, je connais. Tu comprends? On a un foulé, on a beaucoup noué. Moi, oui, ça. C'est pas moi qui dois parler à ta place. Moi, on a pas mon bas. Sinon, c'est pas une confession. Voilà. Donc, oui, beaucoup. Donc, quand je te demande, il faut parler. Ok, moi, il a ça. Ça te délie toi-même. Puis ça libère la victime. Et balé au moins une bourre de nailleur. On y coupe. Elle dit quoi? Elle demande si elle peut guérir. Elle sera guérie, mais en battant, faut parler. On a on est yama, mais mon bafion, on a sa banne. On est yama. Je peux poser des questions? Demande-lui. Je peux te poser des questions. On a mon mira là. On est mira, papa. Papa, on est mira, on est mira. Ok. Quand tu couches avec elle, tu couches avec elle, non? On a mon pona. On a ma yon pona. C'était pourquoi? Yébola, yézabouno pola. Attends. Quand tu couches avec elle, c'est pourquoi? C'était pour faire quoi ta fille? Namopo, Yebola, Yebo Namopola. Yebo Ndiya, Ndiya Nyamani, Ndiya Mopa.
Elle n'aimait pas le monsieur. Mais elle-même, là, tu as fait quoi en couchant avec elle? C'est pas le monsieur, tu couches avec elle, tu couches. Donc en couchant avec elle, là, qu'est-ce que tu gâtais en elle? Il est taroulé dans mon pot là. Toi, t'es femme. Et puis tu as Kiki. Maintenant, ça sort là. Quand ça vient là, tu couches avec là. Tu gâtes quoi? Mon le mono le castre le namo que po disent taoula. Ah, tu vois, si tu dis pas, on va pas la soigner. Les mono yo po. Il m'a to kona do ko ni mona de la pa. Bon, tu veux que quoi? Je te laisse alors. Quand tu veux pas parler, il faut quitter le moment. On en canne pas ça. Bon, vas-y, quitte. Non, quitte. Qui te va moi? Non, mais il me dit au mal, c'est pas la loi. Et qui dit au nom de la clima? À mon sauce, c'est pour avoir sauce. Comme tu ne veux plus parler, la quitte. Va, on entend. Tu ne veux plus te soigner, va. Mais t'as un bon, on a un homme. Va, non, il ne peut pas te soigner. Là, tu te connais, pardon. Quand tu couches avec la, c'est pour garder dans son ventre, c'est pour garder toute sa vie. Quand tu demandes ça, tu en as parlé. Namo pour une cas au premier bout de temps, nous nous pouvons. Ah, encore au premier bout de temps. Quand il a depuis là. Tu me fatigues. Nous allons à ça, c'est au cas où tu as parlé. Ça, je couche avec elle là. Voyez ce qu'il garde ton nez, voyez ce qu'il garde ton nez, voyez ce qu'il. Toi, tu es une femme, tu es un garçon, tu as Kiki. Kiki là, c'est pas, c'est pour sorcellerie. Quand ça vient là, ça gâte. On a serait. C'est pas pour le même plaisir. Quand c'est pas un plaisir, tu cherches. Serait na serait même tao. C'est pas un plaisir, toi tu cherches. Na mo po encore comme nous. Le Kiki que tu as eu là, c'est une arme de destruction. On comme les cadeaux. Merci non. Papa. Elle dit que le petit qu'elle avait, qu'elle couche à elle, c'est pour détruire dans son ventre, pour pas qu'elle puisse faire enfant avec le monsieur. C'est gros, non, c'est petit. On a assez. Elle est où, bien, il y a petit. Elle est rire. Comment toi, tu peux l'embrasser, ta fille? Il est beau, moi, il n'a qu'à aller, mais il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Est-ce que mon ami, je l'ai vraiment allé? Elle on lui force, mais où mais elle reconnaît ça. Demande lui. On te force, mais où c'est ce que tu as fait que tu as dit. Voyez, mon assassin. Alors, on a bougé là. Pourquoi? Elle dit sa fille venir, elle pour qu'elle puisse se confesser. Mais faut confesse toi. Nous voilà sana, sani yena. Il y a un peu de temps. Non, pas là.
Elle dit quoi? Elle a trois enfants qu'elle a détruits. Elle a dit que les parents devaient partir avec les enfants en Europe. Maintenant, elle, elle a vu ça, que ses enfants s'en vont, elle va rester seule. Ah, elle a assis sur les papiers. Voilà. Il y a une fesse de sorcellerie là. On a détruit les enfants. Maintenant, il y a une maison qui a fait un enfant. On a la voix. Pas moi. Qu'est-ce que tu as? C'est toi qui les as gâtés. On a la voix. C'est elle qui doit les appeler. C'est moi, Boudou. Il faut les appeler. La voix. Isaac. Tiago. Aïe. Aïe, à Pépé, aïe, à Dobo, aïe. Bon, ça sera plein d'émotions, mais on n'aimerait pas que vous pleurez. Laissez-nous faire un travail. C'est un travail de délivrance. Parce que la Bible dit tel sort de démon ne sort que par le jeûne et le prière. Donc ça veut dire, il y a des catégories, c'est-à-dire de délivrance, ce n'est pas la même manière. Voilà. Il y a une délivrance où on peut gêner, il y a une délivrance où le sorcier peut parler, peut être délivré. Nous, on a constaté qu'aujourd'hui, sur la sorcellerie, les sorciers te disent, c'est toi qui l'as détruit, tu es sa victime, que nous prions, ça s'est détruit. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour que ce qui était la sémence du diable en vous soit finalement détruit. Et c'est une grâce de voir un sorcier avouer. C'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait s'il est toi? À commencer par avoir la fille. Oui, il dit que la maman part à l'école. Non, non, excuse-moi. Pour la question que je pose, réponds ça textuellement la vieille. Oh non, ils aiment les elle, tu as gâté quoi hein? Ils aiment ta où là? Pourquoi ils aiment ta où là? Ils aiment ta où là? Là, vous dit. Ah ben, on ne sait pas la boule là. On a encore non maman, on a non, on y a oublié comme les. Mais ça vient de te couler. Tu peux te croire qu'il est là. Elle dit ce qu'elle a gâté sur elle. C'est qu'elle a gardé sur elle. Faut pas qu'elle va se marier. Faut pas qu'elle va se marier. Et maintenant, sa maman devrait partir avec elle. Où? Donc, il y a un homme là-dedans. En Europe ou précisément? En France. En France. Donc, elle a assis sur ses papiers. Donc, c'est toi qui as assis? Mon courant, papa, il est fou, mon courant. Il est fou, mon père de mon. Comment elle a fait ses papiers? Yes, elle le voit, il est fou, là. C'est ça la seule partie. Hey, c'est ça que tu vas expliquer. Comment elle assise? Expliquez. Où elle s'assoit là-bas là? Elle a mis ça en bas, c'est ça? Pourquoi expliquer? Stop d'abord, stop. Donc celle-là, elle ne doit pas se marier. On a y oublié de nous. On a y oublié de nous. Comment tu as gâté son mariage? Tu as expliqué le voyage là. Tu as assis sur le papier. Ok. Maintenant le mariage là, tu as gâté ça comment? Oublié de nous. Essaye de t'amour là. Oublié de nous. Essaye de t'amour là. C'est ça. Il a dit ça là, il y a un comment tu as gardé son mariage? Mais ça mène à la tête d'abord, tu couches avec elle encore, c'est ça non? Oui, tu es sur un papa, Il y a deux choses que tu utilises. Et gâter son visage et coucher avec elle. Ça, c'est les deux méthodes, c'est les deux choses que tu pratiques. Non, c'est ça. Il faut le prophète dire, elle fait ça. Papa, non. Ah. Oh, non, pas poussé que ça. C'est pour la délivrer ou tu peux la délivrer? Pourquoi tu ne peux pas la délivrer? Elle dit la délivrer. Pourquoi tu le reconnais? Pourquoi je dis lui? Mais pourquoi tu ne dis pas? Elle dit, elle ne veut pas tout ce que tu as dit. Non, mais pourquoi? Mais je sais. Je sais ce qu'elle a fait. Il faut dire. Ça ne va pas. Tu viens me parler. Ce qui t'entend, c'est les saletés.
c'est pas bon à entendre. Donc tu as train de perdre mon temps, tu vas perdre mon temps inutilement. Donc tu couches avec elle. N'a pas posé que ça. Et tu as pris Gounini pour mettre son fils. Donc vous comprenez déjà la méthode de la sorcellerie, vous comprenez déjà. C'est la vieille qui dit ça. Ceux qui disent qu'ils sont peut-être. Ils vont dire, ah, comment ça peut se faire? C'est spirituel. C'est spirituel. Vous partez à l'ambassade, toi, qui te verra. Je ne te donnerai pas 10 ans, te chasse. Je ne consomme pas à Jésus de bouger ça. Il a dit, sors, lui, mec, te chasse. Aujourd'hui, mais où il n'y a même pas d'interview là. Le gars me cherche, mais c'est pour lui, il va sortir des chefs pour te chicoter même. Ben, t'as marqué ton passeport envoûté. Il dit, le passeport, il dit, là, s'il vient, appelez-moi. Il a envie de le gifler. Dès que vous recevez le passeport, quand vous recevez un passeport qui sort tout récemment de la sûreté, bon, quelque part, ici encore une fois, c'est la sûreté. Quand vous recevez le passeport, prenez le passeport, consacrez le passeport. Ça dit quoi? Il faut prendre l'huile d'onction, vous mettez ça dans la main. On n'a pas de mouiller, on n'a pas de plonger. Écoutez-moi trop bien, nous les noirs là, quand on nous dit, on fait autre chose. On n'a pas de prendre l'huile. C'est pas que si tu mets dans l'huile, ça c'est gâté. Tu prends l'huile d'onction, tu mets et tu parles à 1h du matin. Dis, aucun consul ne doit refuser mon visa. Tu parles. Pendant, stop. Je suis en train de montrer des méthodes. Pendant 9 jours. Vous comprenez? Et le verset que vous devez utiliser, le psaume 52. Oui, le psaume 56, c'est Dieu. Le psaume 56, du verset 2 à 14. Voilà. Vous parlez sur le passeport, vous parlez sur le passeport. Pendant 9 jours. Introduisez-le quelque part. Parce que vous voyez, on dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Or, la parole, vous voyez, c'est une sémence. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Est-ce que tu m'as bien saisi? Voilà, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est comme un enfant qui vient de naître. L'enfant n'a pas été consacré. Mais vous voulez qu'il devienne quoi? Jésus, quand Jésus est né, le 8e jour, ils l'ont confié, ils l'ont consacré. Vous voulez qu'il devienne quoi? Ou bien vous commencez à faire une entreprise, vous faites un magasin d'affaires, vous ne consacrez pas ça. Et vous voulez que ça marche. Comment vous trouvez ça? Vous n'invitez pas Dieu dans cette affaire. Et vous voulez que ça marche. C'est insensé. Amen. Pendant 9 jours, parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de la naissance. Donc les chiffres, c'est la numérologie. Les gens disent, c'est biblique. Pourquoi Dieu 12 disciples, 12 tribus, pourquoi c'est 12? C'est les choses qu'on doit vous apprendre. Pourquoi le 6e jour, le 7e jour de ce repos, c'est les choses qu'on doit vous apprendre, c'est les choses que vous devez connaître, les actions prophétiques. Les chiffres sont très importants en matière d'action prophétique. Rien n'est diabolique. C'est Satan qui veut diaboliser les choses. Sinon, rien n'est diabolique. Quand je porte ma toge, les gens ont peur. Pourquoi tu portes le rouge? Je dis, mais rouge là, ça, en quoi ça fait peur? Ton sang, ça a quelle couleur? Il y a un journaliste qui me posait la question. Elle dit, mais pourquoi? Toi, tu es en rouge. Je dis, mais pourquoi ça t'effraie? Les grands gars ont dit tapis rouge. Mais pourquoi mon rouge là, ça t'effraie? Les grands n'ont pas peur de magie, tapis rouge. Mais maintenant, pourquoi moi, mon rouge là, toi, ça t'effraie? La couleur du sang, c'est rouge. Or, la couleur rouge, c'est symbole de vie. Ce n'est ni démoniaque. Celui qui a fait les couleurs, c'est Dieu. Comment la nature, comment il a coloré la nature, c'est Dieu. En quoi Satan a fait? Satan a fait quoi? Il a le péché. C'est que Satan a pu créer cela. C'est un usurpateur. Il vous fait croire que c'est lui. C'est ça que vous voyez souvent les films nigériens, les gens sont apportés par le rouge, ils vont faire sorcellerie. Mais la couleur rouge, en réalité, c'est Dieu. C'est ça que la Bible dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Le sang, à quelle couleur? C'est rouge. Amen. Vous m'avez bien compris? Voilà, donc, n'attribuez pas tout à Satan. Satan, il n'est rien, il n'a rien de créé. Tout ce qu'il fait là, c'est péché. Donc, vous m'avez bien compris? Quand vous avez un passeport, consacrez ça.
Moi, j'ai déjà allé déterrer un passeport dans une tombe à Grand Lahou. Ah oui, j'ai pris le passeport. Frère, c'est pas un rêve, ni un rêve. Je suis allé casser la tombe. J'ai fait sortir le passeport neuf d'un monsieur. Et je lui ai demandé d'envoyer son passeport. J'ai mis le refus de visa. Il l'a envoyé. J'ai donné les deux passeports identiques. Or, le sorcier avait l'original. Lui, il avait la photocopie. C'est ce que ça veut dire. Ça existe en mode spirituel. Ça existe. C'est ça qui rend, si tu ne deviens pas spirituel, tu es mort. Les gens ne donnent pas l'importance à la prière. Ils s'en foutent. Or, la vie, les démons, les sorciers, la sorcellerie, eux, ils travaillent la nuit. Pendant que vous dormez, ils viennent faire leur travail. La vieille qu'elle a fait là, qu'elle dit qu'il est chié là, sans sorcellerie. Tu peux même te badigeonner avec ça. Mais en spirituellement parlant, tu as l'impression qu'il y a un rejet. Tu causes une personne, elle veut, et puis c'est fini, matin, c'est fini, elle te boude. C'est fini. Parce que vous voyez, la sorcellerie de cette vieille ne veut pas. Il y a des gens comme ça, hein, dans leur famille, quand tu commences à donner l'argent aux gens, il y a beaucoup de gens qui sont en France qui souffrent de ça. C'est ça qui arrive bientôt à Paris. J'arrive très bientôt. C'est confirmé, mon arrivée est confirmée. Je finis justement après l'ouverture de l'orphelinat. Je suis en train de finir l'orphelinat, c'est le mercredi. Nous allons faire l'ouverture. Nous avons déjà tout acheté, gloire à Dieu. J'étais allé vous obliger de vider tout mon compte ce matin. Tout à l'heure, j'ai vidé tout le compte. Les gens, ils ne connaissent pas l'histoire des gens, et c'est les gens qui parlent mal des gens. Nous, là, nous ne vivons que pour les autres. C'est qu'on a investi dans l'orphelinat, là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, on ne peut pas chiffrer ça. Mais c'est des millions. Hier, seulement la journée d'hier, c'est 1 800 000 francs. Aujourd'hui, je viens de faire 800 000 francs comme des dépenses. J'ai acheté un congélateur ici. Ici, en congélateur, on a acheté des choses. Pour un orphelinat, j'ai gagné quoi dedans? Quelqu'un qui n'est pas mon enfant. Mais pour ne pas que demain, on a des microbes, et puis autre javel ne peut pas les tuer, et antibiotiques ne peut pas les tuer, on nous m'acheter à Divo aussi. Vaut mieux commencer à faire l'orphelinat. Vous savez, quand tu commences à être chrétien, quand tu es arrivé à un niveau de la spiritualité, l'amour de ton prochain t'aligne. Celui qui n'arrive pas à ce stade, il n'est pas un véritable enfant de Dieu. Parce que quand tu arrives à un niveau de spiritualité, tu ne veux pas voir l'homme souffrir. Sinon, moi, je peux m'acheter des voitures de luxe. Mes collègues, là, ils font ça. Vous avez une fois vu quelqu'un, moi, je loue ma maison. J'ai une Ouro, ma Ouro, c'est Hyundai, c'est une Ouro, Ouro. C'est même pas cher. Or, ce qui est mis dans l'orphelinat, c'est des millions. Je peux acheter une voiture Infiniti. Mais j'ai mis dedans. Parce que quand tu arrives à un nouveau de la spiritualité, de la connaissance de Dieu, tu respectes ton prochain. C'est pour ça que quand quelqu'un attaque une personne, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que j'aimerais que mon enfant soit. Je ne veux pas voir un enfant de la rue comme ça. Donc j'ai décidé, sous l'ordre de Dieu, faire l'orphelinat. Il y a quelqu'un qui dit, mais les enfants là, quand tu les vois, ils peuvent manger. Non, attends, non, mais les enfants, quand on les regarde là, ils peuvent finir un sac par semaine. Non, c'est la vérité. Peut-être un président de la République. Hein? Donc comment on fait? Il dit, non. Moi, je ne réfléchis pas comment on va les nourrir. Dieu pourvoira. Point. C'est pour ça que jamais, je n'ai jamais même dit ici à cotiser. Quand on vient là, on vous demande de causer pour l'orphelinat. Les gens viennent matin, on a fait l'orphelinat. Je n'ai jamais fait de ça un problème. C'est ma vision. Ce n'est pas ton problème. Les gens, quand ils font l'orphelinat, ils appellent. Eh, donnez, donnez. Non. La dernière fois, il est arrivé, c'est une chaîne de télé. Écoutez, moi, je ne demande pas de donner. Le plus grand donateur, c'est Dieu. Justement, Dieu touche les cœurs. Mais il touchera les cœurs des gens. Ce n'est pas à moi de demander. Je n'ai pas créé l'orphelinat pour demander. J'ai fait pour accomplir une volonté de Dieu. Et Dieu, qui est le plus grand donateur, touchera les gens pour pouvoir avoir des besoins. Donc, je ne demande pas à quelqu'un. Je n'ai pas créé l'orphelinat pour venir demander l'argent à quelqu'un. Je suis en train d'accomplir une volonté de Dieu. Parce que quand tu arrives à un niveau de la spiritualité, je vous dis la vérité, quand vous arrivez à un niveau de spiritualité, j'étais à mon chauffeur, j'ai vu quelqu'un qui est assis au carrefour, aux deux plateaux, j'ai vu le monsieur, je monte, et puis je n'arrive pas, je pleure dans la voiture, je lui ai dit, fermez tout. J'ai dit, j'ai vu un monsieur là, je sais qu'il souffre, un papa, il est assis au feu, tu sais que le monsieur prend de l'argent. Quand je suis sorti, je lui ai donné l'argent. Je n'ai pas voulu durer longtemps, il allait pleurer. J'ai dit, son souffle m'a fait ça. Mais tellement qu'il était dépassé, son souffle, frère,
quand tu arrives à un niveau de la spiritualité, tu respectes l'être humain. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Or, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime les enfants. J'aime l'être humain. C'est pour ça qu'on a décidé de créer l'orphelinat. J'arrive très bientôt à Paris. On arrive très bientôt à Madrid. On arrive très bientôt pour vous aider. Parce qu'il y a des gens dans la famille, quand ils commencent à donner, la sorcière les bloque. Vous n'allez pas vous marier. Parce qu'il faut que vous soyez au service de la famille. On vous empêche de vous marier. Ben, si vous êtes marié, vous n'avez pas donné l'argent. Si vous faites enfant, vous n'avez pas donné l'argent. Donc, vous devenez comme des instruments. C'est une boîte à argent. C'est vous qui devez tout nous donner. Quand vous parlez, la famille n'a pas l'argent, vous tremblez. Vous ne pensez même plus à vous. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu es envoûté. C'est à Lyon même, on démarre même le programme. Voilà. C'est à Lyon même, on va tout démarrer. Voilà. Donc, très bientôt, c'est confirmé. On arrive pour que vos chaînes, les chaînes qu'ils ont mis dans vos pieds, vous travaillez dans la neige, vous travaillez, il n'y a pas de résultat. Vous avez l'impression que c'est deux personnes qui vivent de vos, le sujet de votre front. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut te faire plaisir. Parce que les gens ne sont jamais reconnaissants. Ils trouvent que vous n'avez jamais donné. Ils trouvent que vous n'avez jamais donné. C'est de la haute sorcellerie. Le lieu du truc n'a rien. C'est là qu'ils se plaignent. Ils trouvent que tu n'as jamais donné. C'est la haute sorcellerie. Que le feu soit sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu n'est plus le nom de Jésus. Ce qui vous empêche de prospérer. Ce qui bloque votre argent. Qui fait de vous leur esclave. Comme cette vieille-là qui embrasse sa vie. Fais chez vous. Tu as détruit là? On a un tamour. Tu as gâté quoi? Tu as gâté quoi? Elle a gâté tout le monde aussi. Il n'y a pas qu'il puisse avoir du travail. C'est ça, vous ne travaillez pas? Vous ne travaillez pas? Il ne fait pas enfant. Tu as gâté tout ça? Oui, elle a gâté. Tu ne veux pas faire enfant. Hein? C'est dans ça les gens disent non. Pourquoi le prophète Crasso, lui son affaire là, a fait des sorcelleries. Moi je ne laisse pas ça. Hein. Non. Je ne laisse pas faire des sorcelleries. Je les traque. Elle a détruit leur bonheur. Elle les a fait pour ne pas qu'ils puissent se marier, pour ne pas faire enfant. Et puis c'est tout même maintenant comme ça dans Bidjan. Comme des bandits, des délinquants. C'est pour ça que moi je me promets quand je vois les jeunes filles sur le trottoir, je pleure. Je ne me moque pas d'elles. Parce qu'en temps normal, une fille consciente qui a toutes les facultés ne peut pas aller se prostituer. Ce n'est pas la sorcellerie. Ils peuvent changer votre destinée, les sorciers. C'est de la haute délinquance spirituelle. C'est la délinquance. Détruit la vie des gens. C'est la délinquance. Bon, tu es maman et mémé. Mais maintenant, à qui on peut se confier? Tout ça, tout à l'heure, mon message te fera du bien. Je vais vous enseigner comment éviter les pièges mystiques. Ça, c'est très important. Amen. Amen. On donnera tout à l'heure l'enseignement. Ok, maintenant, on va prier pour eux. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur la maman? Maintenant,
mettre à mon bas. Et quand on a ses amis, on a un peu de coups, il va s'arrêter. Quand tu es là, on peut wanone wanu amuturuba inye wamo ne ole nakula mu o tuwe o pauri o kora o ni 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 kete na amba ikota wanoi wenye wamo akoba adi kwa Edis la maman elle derrière l'eau. Les gens demandent, ses collègues demandent qu'elle n'a qu'à libérer sa fille. Elle dit non, elle ne fait pas. Maintenant, ce qu'elle a fait, oui. Elle se promène comme ça là. Donc, c'est toi qui as gâté. Elle est sorcellerie là, c'est forcément manger. Il y a gâté. La vieille, si tu ne veux pas parler, tu vas sortir de chez moi. On a un parle, on a un tu parles comment ça nous a volé. Nous avons tu as gâté quoi chez la fille là? Mais si tu n'as pas donné, tu as gâté quoi sans sa vie? Ils ont un mot pour les roues là. Vous parlez de vos verres. Hein? Son argent n'est pas. Non, vous ne pouvez pas gâter son argent. Tu vas maintenant laisser. Tu vas laisser la sorcellerie. Vous êtes déjà. Vous n'êtes pas chrétien. Hey, stop, hey, stop, stop, stop. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Non, s'il te plaît, laisse le son, laisse le son. Je vais donner un message très fort. Ce qui est en train de se passer, c'est une action de Dieu. Sa peau n'est pas sortie. Alors, si Dieu permet que les choses sortent, c'est pour qu'il puisse le servir. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on a, on peut dire la vie a fait des aveux, mais quel est l'objectif que Dieu veut atteindre réellement? C'est pour qu'il puisse vraiment le servir. Et c'est ça, c'est très important. Parce qu'après les aveux, il y a une vie que vous devez mener. Or, si après les aveux, vous ne vous attachez pas davantage à Jésus-Christ, un, ça doit être de l'ingratitude. Et puis le diable va continuer le travail. Ouais. Parce que la seule personne qui peut freiner l'action du diable dans votre vie, c'est la même puissance de Jésus-Christ. Sur cela, mettez vos genoux, je vais vous demander d'accepter le Seigneur. Levez les mains. Répétez après moi, mettez vos genoux, répétez après moi cette parole. Dites Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir accepté. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Amen. Maintenant, je prie pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ces bien-aimés qui ont décidé, n'est-ce pas, de t'accepter comme sauveur. Et Seigneur, nous te prions d'agir pleinement dans leur cœur et dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Aimez-vous? Tiens, ça c'est ton cadeau, c'est une Bible. Une version française, plus c'est bon. Voilà. C'est un cadeau que je vous donne pour que vous puissiez être connecté à Dieu. Vous comprenez? C'est une action très forte. En vous donnant ce cadeau-là, qu'on appelle la Bible, je vous connecte à Dieu pour que Dieu rétablisse tout en vous. Maintenant que je prie pour vous, je prie que la puissance de la vie de Dieu te restaure. Diable. Dans ta vie. La main puissante de Jésus-Christ vient te délivrer maintenant. Afin que tout ce qui a été fait sur toi, tout ce qui a été fait sur toi, je détruis cette semence satanique dans ta vie. Le diable est joué. Le diable est joué. Le diable est joué. Tes papiers, ta destinée, ta vie, ton mariage. Nom de Jésus-Christ est libéré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame vaincu
le royaume des ténèbres, le royaume de la sorcellerie. Les chaînes tombent, je brise les chaînes. Je déclare la puissance de Dieu sur ta vie. Merci pour la délivrance. Je libère le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus-Christ sur ta vie, en libérant ton âme, en libérant ton esprit, en libérant toute ta destinée. Je brise le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Je proclame la puissance de Dieu en libérant ta vie professionnelle, en libérant toute ta destinée par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame la main de Dieu, la puissante main de Jésus-Christ sur ta vie. Je proclame la grâce et la main de Jésus-Christ. Merci de restaurer. Merci encore de bénir Seigneur notre Jésus. Amen. Et la puissante main de Jésus-Christ vient maintenant te libérer. Je proclame la seigneurie de Jésus-Christ. Proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Dieu te libère. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. La puissante main de Jésus-Christ te libère. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Allez, vous asseoir. La puissante main de Jésus-Christ. La puissante main de Jésus. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Jésus te délivre ce soir. Sa puissance te délivre ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Proclame ta délivrance. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je suis là toi. Pas des mains contre la vieille. Je pense très bien que vous avez compris le message. Le message, il est plus spirituel, il n'est pas charnel. Elle a fait des aveux. Nous allons à l'essentiel, c'est que Dieu vous délivre. C'est vrai que c'était vraiment dur d'apprendre qu'elle est à la base de tous vos maux, tout ce qui vous arrive, tout ça. Mais au-delà de ça, je pense bien que je vous ai remis une Bible qui est symbole de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, donc restez dans cet esprit de la parole de Dieu et laissez Dieu agir parce que c'est lui qui est le maître de votre délivrance. Et quand il commence, il achève l'œuvre. Amen. Voilà, lisez toujours la parole de Dieu. Commencez par le Nouveau Testament à partir du livre de Jean, plutôt Matthieu, jusqu'à Apocalypse. Voilà, que Dieu vous bénisse. La vieille, va t'asseoir, demain je te reprends encore. C'est demain que je fais ta délivrance. Il faut dire à la vieille que c'est demain. Est-ce qu'elle veut être délivrée? Elle dit quoi? Lève-toi. Elle veut être délivrée, c'est pourquoi elle est venue ici. Elle ne connaît pas ici. Ok. Ton pied là, pourquoi on coupe bien la chine maintenant? On a décidé de nous donner un abonné. Je t'ai invité ce soir, hein,
à venir m'attaquer. Dieu la vient que le prophète dit, il est invité ce soir. Je suis tout près là, derrière ces lieux. Faut t'envoler pour venir. Je t'invite à le gourdin. Je serai en légitime défense, donc je ne vais pas te laisser. Vous êtes sorcier. Hein? Vous êtes sorcier. Hein? Vous voulez être délivré. Vous mangez l'homme. C'est doux. Monsieur, tu es sorcier. Vous êtes sorcier. On y va rapidement, d'accord? Non, on va vous appeler quand tu tombes. Allez-y. Tu es sorcier, comment tu t'appelles? C'est pas Astras. Comment tu es devenu sorcier? C'est ma grand-mère qui m'a invité. Comment? Elle a mis. Attends, tu as envie de parler ou pas? C'est... Oui, mais il faut te. C'est les gens courageux qui rentrent dans la sorcellerie. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être sorcier. Elle a envoûté la nourriture. Bon, elle a envoûté comment? Elle a préparé, puis elle m'a donné, puis j'ai mangé. Ça veut dire quoi? Ça dit, quand elle a mis. Quand elle a envoûté, je n'étais pas là. Tu as tempé de me laver. Puis, elle a goûté, puis elle m'a donné. Tu es devenu sorcier. Moi, je ne savais pas que j'ai mangé. Et quand tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai mangé, depuis ce jour, il était sorcier. Comment tu as su que tu es devenu sorcier? C'est à cause de la nourriture qu'elle a goûté. Non, oui. Quand tu as mangé la nourriture, quelle est l'action qui s'est produite qui a fait de toi un sorcier? Quand elle a mangé. Quand tu as mangé. Quand elle. Quand j'ai mangé. Depuis ce jour, il sent que. Oui, mais quelle est la chose? Elle m'a dit, avant que je mange, elle m'a dit que c'est la nourriture, c'est qu'il faut manger. Oui, ça on sait. Maintenant que tu as mangé, toi si tu es sorcier, comment c'est passé? C'est toi qui lui as donné la sorcellerie. Hein? C'est toi qui lui as donné la sorcellerie. Et lui, il t'annonce ça comment? Il est parti travailler. Hein? Il m'a payé. La paye paye. Hein? La paye. Il a acheté du pain, oui. Et comment c'est passé? Il m'a donné, puis j'ai mangé. Et quand tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé, il a su que. Après, quelqu'un s'est parti à la maison, il a su que ma ronde foutait. Et comment? Tu te retrouves où après? Je me suis retrouvé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il y a du temps, hein? Ne prenez pas du temps. Qu'est-ce que vous avez fait? On a tué les gens. Vous avez tué les gens. Monsieur, c'est toi qui l'as envoûté. La grand-mère est en voûte, toi tu viens d'un envoûteur. Tu donnes la sorcellerie et toi tu donnes à quelqu'un. Or pourtant tu sais que c'est pas bon. Ton est aussi bien manger les pains. Hein? Les pains des gens. Il y a des enfants comme ça, eux, quand ils te voient, après, ils te poussent en même temps. Père de quelqu'un, il a mis quoi dedans? Vermicelle ou bien quoi? Vermicelle. Ah, c'est vermicelle. On appelle ça maca, non? Ça, c'est dangereux, hein? Maca qu'on ne refuse pas. Donc, tu l'as envoûté. Pourquoi? C'était pourquoi? Tu l'as envoûté pourquoi? Tu l'as envoûté pour le rendre sorcier. Et pourquoi? Je te demande, monsieur. Pourquoi? Pour que tu ne veux pas être seul là-bas. Pour qu'il soit avec toi. Tu as initié combien de personnes? 30. 30 personnes? À qui tu as donné la sorcellerie? Comment tu fais? 2 personnes. Comment tu fais? Comment tu donnes la sorcellerie aux gens? Salut. Comment tu donnes la sorcellerie aux gens? Quand il paye les choses, je les donne.
Vous comprenez, non? Donc, même nos enfants à l'école sont plus à l'abri. Hein? Mais oui. Donc, quand tu prends la nourriture, tu donnes. Quand tu dors, tu fais des incantations et ça les envoûte, c'est ça? Voilà. Donc, quand toi, tu es devenu sorcier, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu l'as donné à la sorcière, il a fait quoi? Quand il a donné la chose, depuis ce jour, quand il rêve. Non. Depuis quand il t'a donné la sorcière, il fait quoi? Il me donnait viande. Toi, tu lui as donné encore quelle viande? Elle vient là, c'est pas lui ce qui va te donner, toi je dois donner bien. Vous nourrissez entre vous là. Quand tu deviens sorcier, c'est la tontine, mais tu vous as fait quoi? C'est le temps où on perdait. Hein? Il est parti tuer. Il est parti tuer, tu as tué combien? Tu as tué 5 de mes amis. Tu as tué 5 de tes amis. Comment tu fais? Par la nourriture. Par la nourriture aussi. Tu fais comment pour les tuer dans la nourriture? Tu payes même pain aussi. Ah, tu payes même pain, c'est votre mode de description. Et quand ils mangent, ça les tue, c'est passé, ça n'a pas initiation. Et puis tu les manges après. Et tu as gâté qui? Parce que sorcier ne tue pas, il gâte aussi. Monsieur, toi tu as tué qui? J'ai tué 30 personnes. 30 personnes. Et comment tu les tues? Comment tu les tues? Quand il dort, tu quittes dans toi. Comment tu fais? Je quitte dans moi et je me mets dans le coin. Comment tu vas tuer les gens? Je me transforme. En quoi? Un chien. C'est ça que ça fait partie de mon message. Quand vous dormez en rêve, que vous voyez un chien vous a mordu dans un rêve, cherchez à faire votre délivrance. Si un chien vous a mordu dans un rêve, vous allez mourir dans un accident de circulation. Et puis j'ai l'habitude de dire aux gens, si la sorcellerie vous a dit, on va vous tuer en mars. Par exemple, c'est un exemple. Et que vous ne faites pas délivrer. Le 6 mars est venu, non? Ah, on dit que je devais mourir le 6 mars. Je ne suis pas mort. Ça n'a pas dit c'est fini. Hein? C'est une programmation qui a été révélée. Mais comme tu n'étais pas fait délivrer, on reprogramme la mort. C'est ça que quand une révélation sort sur vous, faites-vous délivrer. La délivrance consiste quoi? À quoi? À déprogrammer cette mort-là. Parce que la vie est de programmation et de déprogrammation. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Voilà. Rien ne s'improvise. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, quand un chien vous mord dans le rêve, ça veut dire que vous allez avoir un problème d'accident. Ou quand un bœuf vous coigne en rêve, vous poursuit, vous chasse et puis ça vous coigne en rêve. Ou on dit à bout de portant si vous en rêvez. Les trois signes veulent dire qu'il y a un accident de circulation que vous guettez. Amen. C'est des signes qui prouvent qu'il y a la mort, la sorcellerie à votre tous. Or, vous êtes déjà alerté. C'est une alerte. Si vous ne faites pas délivrer, parce qu'il y a des messages codés. Il y a des messages. Souvent quand tu te réveilles, tu as peur. Tu as l'impression que tu viens de faire un cauchemar. Fais-toi délivrer. Tu ne peux pas délivrer, tu as oublié. Mais la chose est là. C'est ça, quand vous faites un rêve, vous voyez tout ça en rêve. Quand vous réveillez, mettez la main sur la tête. Commencez à déprogrammer. Ce qui vient de voir en rêve, je déprogramme là sur ma vie. Matin, de bonheur, sortez. Prenez de l'eau versée. Pour dire que c'est une action. Ce qui vient de se produire là, j'ai fait cette action là. De toute façon, l'eau se verse là. Pour ne pas que ça puisse m'atteindre. Vous avez réglé ça? Ils sont experts en programmation. Ils aiment bien programmer. Amen. Parce que tout qu'on fait, les sorciers travaillent. Ils sont très persévérants. Il n'y a pas une famille sur la terre où il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas. Tes amis, parmi tes collègues, ils peuvent avoir la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut, frère, il faut devenir spirituel. Tant que tu ne devras pas
Souvent les gens disent, mais toi tu es trop super, c'est très bien. Si les gens te disent, tu es trop spirituel, c'est que tu as gagné. Parce que si tu es trop spirituel, tu te mettras au-dessus de la chair, tu auras le discernement. Or, le diable ne veut pas que vous ayez le discernement. Vous arrivez à là. Le diable est partout. Que vous voulez ou pas, il est partout. Il est partout. On dit malheur à la terre et la mer, il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, la présence du diable sur la terre est une malédiction. Il est partout. Le diable n'est pas venu jouer sur la terre, il est venu tuer. Est-ce que tu m'as bien saisi? Le roi qui joue, c'est tuer. C'est ça que Jean dit, Jésus même dit ça dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est un usurpateur. Il peut prendre ta chance, donner à quelqu'un d'autre. Allez vous asseoir.